Un petit trou. Ouais, un petit trou. Va-t-il faire toute la différence? En tout cas, c'est Rips pour l'instant qui va en prendre un avantage. X pour les contacts. Push par la porte, non, ça ne donne rien, on va avoir du mal. Ici pour le stream, on va avoir du mal avec Rips justement qui prend l'avantage sur cette ouverture qui a été faite par l'Ivana I6 qui attend le retour par l'Escarouge. Et il y a un retour effectivement, c'est Corey qui va remonter Alphama pour faire tomber Cass. 4v4, le bon headshot de I6, le doublé qui ne passera pas avec la zone qui arrive à ajuster sur Maurice. Rice qui est au sol, Uno qui push, qui va tomber lui aussi derrière Alphama pour faire tomber Rips. Alphama pour planter, pas de couverture de la part de Rice qui est au sol. Alphama, il y a encore une minute, il y a encore une minute, c'est intelligent. Alphama qui va réussir. Oh oui, attention Alpha, on a entendu l'air jab de l'autre côté, on sait ce qui est en train de se passer. Corey, il est complètement hors de position. Du coup, on va planter pour Léo Robin qui est en train de le faire, peut-être pour le stream ici. Navi avec Corey pour remonter en SK. Diffuseur planté, situation de retake, on a 0 info, il y a quelques drones qui rôdent pour le stream. Et il est bien placé Alpha, il est bien placé. Il est très très bien placé, il va le clutcher ce round. Il va le clutcher. Alors attention, dès qu'il va voir le diffuseur, il va se douter de la position d'Alphama. Maintenant, c'est combien de temps est-ce qu'il va mettre pour voir ce diffuseur? Il ça dépend par où il arrive. S'il arrive par le coffre, il va savoir effectivement que Alphama est ici. Mais là, pour l'instant, il n'en a aucune idée de sa position. Allez, au Robin. Et il perd beaucoup de temps. Il perd beaucoup de temps. Du coup, il va être obligé de se montrer. Attention, parce qu'Alpha, il est sur une position offensive. Là, ici. Là, il connaît sa position. C'est obligatoire. On tente la diffuse. On tente la diffuse. C'est gagné. C'est gagné pour le stream ici. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de diffuser. Il va réussir à prendre le kill. Mais le point est mis 6 à 5 pour le stream. Très, très bien géré de Alphama qui a su trouver l'opportunité sur son bon site pour aller planter. Et derrière, pour couvrir de manière très safe, l'erreur de Corey qui fait tout le tour de la map. So you fuck this shit. I'm hunting drones and I'm spawn killing main. Okay, there you are. I got the drone. Don't die. All bad. I will die. I can tell you I will die. Don't die. Yellow beam. Spawning runes. I will die because I'm close. Thank you. No one is. You're welcome. No one is. Okay. No deck master with echo. I put. Oh, elle est bien vu le drone. Elle va être déçue de pas l'avoir. Ah. On est d'accord qu'il y a un mec là. Il y a un bug en salle de jeu. Watch your back, Captain. Un fort à localiser une bombe. Salle de bain, ouais, aussi. Ah, quand même, venu faire deux trucs sur l'aime, regarde qu'on a des 6 carrières. Putain, les chefs, quel enculé. Mais juste la vérité, mec. Je spot. Allez, faisons les fous. Les avanceurs n'est plus entre vos mains. Bon, on va prier pour que ce soit pas dans le dos. Donc gros kiff, c'est un plaisir. Un homme fort.
Merde. Encore un. Tellement bait. J'ai balancé la Goumane ici pour que le montagne se dise oh je vais la péter, qu'il enlève son shield et que je le tue. Il a mis des sales trucs aussi. Hop, ça c'est fait. Me bully comme ça. Oh là là, la PLS. On n'a pas d'oc, on a rook. Oh rip ma vie de merde. Je me fais full bullshit. Ah, vas-y, on m'en met en plus. Allez, Sia, cruel. Je me casse. Ça se tente une retech. En plus, il y a un mec là.